Bienvenue dans votre magazine Parabole. Du 16 au 18 mars se tiennent les Assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Strasbourg. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire exactement être chef d'entreprise et chrétien? Eh bien, pour le savoir, nous avons rencontré Jean-Luc Roser. Il est co-gérant d'une entreprise à côté de Saverne. On regarde. Salut. 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 Où on en est avec l'intégration des nouveaux pieds sur les Volubox? Jean-Luc est un directeur commercial très occupé. L'activité bat son plein pour cette PME d'une trentaine de salariés qui fabrique des équipements de production pour l'industrie. Au quotidien, pour tous, l'innovation et la technicité sont les maîtres mots. Mais pour Jean-Luc et pour ses deux frères, également gérants de l'entreprise, il y a quelque chose en plus. Un plus qui leur est venu après une vraie remise en question. Dans les premières années, j'avais l'impression de mener un peu une double vie. J'avais ma vie au travail et j'avais ma vie personnelle à la maison où la foi avait toute sa place. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Et l'entreprise est passée par des difficultés dans les années 2009-2010. Et là, du coup, on a été obligé de tout remettre à plat et de se reposer un certain nombre de questions. Et nous avons été convaincus que nous sommes à notre place dans cette entreprise et que nous devions gérer cette entreprise conformément aux valeurs chrétiennes. Depuis, les trois frères se tournent régulièrement vers Dieu pour leurs décisions professionnelles. Nous avons l'impression d'être des gérants de l'entreprise et que le propriétaire, le vrai propriétaire de l'entreprise, c'est Dieu. Donc c'est un peu notre PDG. Donc toutes les décisions stratégiques, ben forcément on va lui poser la question. Sur certaines décisions, on aura des réponses. Sur d'autres, non. Donc c'est à nous de prendre la décision. Pas facile à comprendre au début pour leurs collaborateurs, mais les résultats économiques sont bien là. Dès lors, pas de contestation du mode de gestion. Surtout que les salariés perçoivent un intéressement au bénéfice de la société. Là aussi, en accord avec les valeurs chrétiennes défendues par les trois frères. Tout comme le fonds de dotation qu'ils ont créé pour soutenir les œuvres sociales ou culturelles chrétiennes et auxquelles ils reversent une part des bénéfices de l'entreprise. En fait, j'ai l'impression que les valeurs chrétiennes, et donc la Bible en l'occurrence, contient des conseils innombrables pour gérer une société. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de s'y plonger et d'utiliser ces techniques de management qui ont fait, entre guillemets, leur preuve. Et de citer comme exemple la sagesse du roi Salomon ou l'entreprise familiale que gérait Abraham. Avec son frère, Jean-Luc tenait à nous montrer les plans de leurs futurs locaux, preuve du développement de l'entreprise, mais surtout preuve de leur foi en l'avenir. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh bien, on verra si leurs prières vont être exaucées. On va passer à tout à fait autre chose maintenant et parler fin de vie avec cette question. Peut-on vivre une vie à peu près normale jusqu'au bout quand on est atteint d'une maladie incurable et qu'on a des problèmes de logement? Eh bien, cette question, Martine Châtelain se l'est posée et elle a trouvé une réponse à travers la résidence gérée par la Fondation Vincent de Paul. Dans cette résidence, il y a 35 appartements pour de l'hébergement social provisoire. Mais depuis l'année dernière, 10 appartements sont dédiés à des personnes en fin de vie. On regarde. C'est mon appartement. Donc ici, il y a une salle de bain, donc une salle de douche hein, avec les toilettes. Ensuite, vous avez tout l'équipement. Donc là, le lit, moi j'ai un lit médicalisé, donc que j'ai ramené directement. Sinon, il y a le matériel qui est à disposition. Une petite cuisine aménagée. Donc, et puis les placards qui étaient déjà à disposition. Hein. Si Martine Châtelain s'est installée ici, dans un des appartements de la résidence sociale Saint-Charles, c'est parce que sa vie a basculé il y a plus d'un an. Quand je suis tombée malade, j'ai abandonné mon appartement parce qu'on m'avait donné un diagnostic assez sévère. Et donc j'ai habité chez ma fille et quand j'avais été opérée, que ça allait mieux, j'ai voulu reprendre un appartement. Et en fait, en tant que malade, on ne trouve pas d'appartement.
Donc la seule solution qu'il pouvait y avoir, c'est de prendre un appartement soit au nom de ma fille ou au nom d'un de mes frères, ce que je ne voulais pas. Donc je voulais un appartement avec mon nom à moi. Et c'est par le biais d'une assistante sociale, donc du service d'oncologie, qui m'a orientée vers la résidence partagée. Comme les autres résidents de ces habitats partagés, Martine Châtelain est consciente que sa maladie est incurable. Je suis quand même atteinte d'un cancer au stade 4, donc c'est pratiquement le stade final. Et puis, bon, je veux dire, après, je veux dire, chacun le vit. Je veux dire, moi, je ne vis pas pour ma maladie. Je continue à vivre le maximum de ce que je peux vivre avec ma maladie. Et pour vivre ce maximum, des activités sont organisées régulièrement par l'équipe d'accompagnants. Une fois par semaine, les résidents qui le souhaitent peuvent participer à un repas en commun. L'idée n'est pas d'exclure le fait qu'il y a une maladie incurable, mais c'est d'accompagner la personne et de prendre soin avec ce qu'on sait faire nous en termes de relation à l'autre, d'accompagnement, de soutien au quotidien, et puis d'amener les personnes à tisser du lien et être reconnues et avoir une place au sein de ce petit collectif qui est du coup un petit collectif à taille humaine. Un petit collectif qui peut compter sur Denis Fischer, le maître de maison. Il vient de l'unité de soins palliatifs de la clinique de la Toussaint. Il est là pour veiller sur les résidents. Ici, c'est permettre aux gens de vivre normalement avec des projets de vie, hein, parce que ce n'est pas donner des jours à la vie, mais c'est vraiment donner de la vie aux jours qui restent à vivre et les vivre pleinement. Mais un regard aussi pour observer, signaler en cas de nécessité, pour éviter justement ces hospitalisations d'urgence. Oui. Ici, ce qui est très simple, c'est qu'on ne parle pas de la maladie entre nous. Si on se demande par politesse comment tu vas, mais on ne parle pas toute la journée de la maladie, de machin. De temps en temps, il y en a un qui va dire ouais, bon, j'ai fait une analyse de sang, elle m'a mal fait la veine, machin. Je veux dire, ça va pas au-delà. C'est, je veux dire, on parle de choses qu'on a fait, de choses qu'on va faire, je veux dire, là, on va partir pendant 3 jours au mois d'avril. Donc, on va partir pendant 3 jours avec les résidents qui sont capables. Et puis, bon, je veux dire, on va aller dans une auberge. Je veux dire, on est là-dessus. Je veux dire, on fait des repas. Donc, la semaine prochaine, on a un repas de nouveau avec une quinzaine de personnes. Donc, l'organisation des repas, machin. On est dans cet esprit-là. On n'est pas du tout dans le... En fait, on ne cultive pas notre maladie. Je suis restée dans une vie normale, en fait. Je me suis pas dit... je me dis pas, par exemple, je vais faire moins de choses pour pouvoir vivre plus longtemps. Je ne suis pas dans ce... je fais tout ce que je peux maintenant parce que je me sens de le faire. À un moment donné, peut-être que je ne pourrai plus le faire et que peut-être que je serai bloquée. Mais pour l'instant, je ne suis pas, dans cet état d'esprit, en fait. Mais la question de la fin de vie, Martine Châtelain se la pose comme tout un chacun. J'espère que les choses se passeront brusquement et puis bon, je peux rêver. Hein. C'est le rêve de tout le monde. Et que ça ne se passe pas avec une agonie qui va durer des jours et des jours. Hein. Moi, j'ai toujours dit, si un jour on doit m'enterrer, j'espère que tous les gens qui viendront, ils feront une fête. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas que des gens qui vont pleurer, parce que non, ça va être compliqué, quoi. Parce que... Tu m'aimerais avec ton accordéon ? Bon, je peux jouer l'accordéon ou la guitare, je peux jouer. Un témoignage qui fait réfléchir. Pour le dernier sujet de ce magazine, on va découvrir une association qui pratique l'équithérapie. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, on va le voir dans le sujet qui suit. Bonjour Madame Nas, ça va ? Comme tous les mois, ce groupe de la Maison médicalisée pour personnes âgées de Mulhouse vient passer un moment privilégié auprès de chevaux et de poneys. On parle d'équithérapie. Quand je vois maintenant ça, eh ben, je suis heureuse et je remercie notre créature de nous avoir donné des bêtes qui souvent nous aident. C'est vrai, hein, ça arrive des fois hein, qu'on va apprendre quelque chose, par exemple d'un cheval, de voir à quel point maintenant il est tranquille, il ne nous fera pas de mal.
Cette initiative est menée ici depuis plus de 10 ans par l'AMAE, l'Association pour la médiation animale et l'équithérapie. Ça apporte quand même une grande satisfaction de s'occuper des animaux, savoir qu'ils sont bien, de s'occuper des personnes différentes, handicapées, qui viennent donc au centre équestre, à l'association, de voir que ce contact, enfin cette relation qui s'instaure entre les animaux et les personnes, qu'elles soient différentes ou non, c'est quand même extraordinaire. C'est tous les jours, c'est une découverte. Je sais qu'une fois elle était venue aussi quand j'étais assise, donc ma mère, là, elle est venue ici. Ces séances ne sont certes pas remboursées par la Sécurité sociale, mais leurs bienfaits sont reconnus par une partie des soignants. Avec l'animal, on peut être soi-même. L'animal vous renvoie pas l'image des handicaps que vous pouvez avoir. Ou voilà. C'est avec l'animal, on peut être soi-même et ils ont pas, ils sont plus dans l'hôpital, donc ils sont plus patients, ils sont des personnes. Alors que quand on est face à eux avec des blouses blanches, voilà, ils sont patients, on est soignants et en fait ils sont réduits à ça bien souvent, des patients. Et voilà, là ils sont eux. Ça nous permet aussi, nous soignants, de les découvrir comme ils sont vraiment, en dehors de la situation de soins. L'association est née de l'amour d'une femme pour les chevaux. Chloé Miselin est atteinte d'une maladie de Parkinson dite juvénile. Pour autant, elle continue sa passion en tant que cavalière handisport. C'est vraiment, oui, les animaux sont vraiment, j'ai l'impression, été faits pour vivre déjà en harmonie avec l'homme. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à s'apporter mutuellement. L'homme a quelque chose à apporter à l'animal et l'animal a quelque chose à apporter à l'homme. Et voilà, je pense que c'est important. C'est un équilibre pour que le monde tourne rond aussi. Vous pouvez être pressé, hein. Ils aiment bien. L'équithérapie aurait des vertus aussi bien sociales, physiques que psychologiques. À mon avis, ça ravive pas mal de souvenirs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ravive des souvenirs ? De brosser le poney à la maison, comme ça, avec la broche. Ouais, ça vous rappelle les souvenirs. Mais j'ai une broche un peu plus fine. Pour le chien ou le chat ? Ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est des grosses brosses hein, pour les chevaux. Mais... Alors je fais le chat. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu plus gros. Et mais chez moi, j'en ai un qui est jaloux. c'est vrai. Ouais. Mais chez les chevaux aussi, hein, parfois, il y en a qui sont jaloux. Hein. Si on en brosse un, il y a l'autre qui vient réclamer. Alors il vient sur elle. Voilà. Monte carrément sur elle. Sacré. Hein ? Direction la yourte pour le goûter. Ça fait vraiment plaisir. On est aussi ravis pour eux, pour le bien-être que ça leur apporte, que ça leur procure. En espérant que ça perdure encore pendant quelques jours, ce bonheur, qu'ils puissent continuer à en profiter même à la maison de retraite après. Quoi. Et ce bonheur, l'association espère pouvoir le faire vivre au plus grand nombre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.